Bonsoir, bonsoir euh, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est euh, 21h pratiquement heure euh, de Paris et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni pour euh, votre euh, présence, pour votre fidélité, pour euh, l'amour de la vérité qui, n'est-ce pas, vous anime. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour euh, ce moment que tu nous as permis, Seigneur, de passer avec euh, euh, mes frères et sœurs, de passer dans ta présence, Seigneur. Merci pour, euh, Seigneur, la vérité qui nous a franchi de plus en plus. Au nom de Yeshua Adonai, Dieu d'Israël, nous te prions, Père. Amen. Voilà, mes amis, quelle joie de me retrouver ici euh, sur les plateaux de TV et radio de vie en votre compagnie et surtout en la compagnie de notre Maître Yeshua Amashia. Nous bénissons le Seigneur pour euh, la mission euh, que nous avons euh, effectuée hier, dimanche, à Lyon. On a annoncé le programme de Lyon euh, dimanche dernier, donc pas hier, mais euh, celui d'avant. Et en moins d'une semaine, il y a eu vraiment euh, cette mobilisation des frères et sœurs de Lyon, d'ici et là, de la Suisse également, n'est-ce pas, pour euh, euh, la mise en place de ce séminaire à Lyon, donc euh, du séminaire à Lyon. Et nous avons été bien sûr euh, encouragés par euh, l'amour que euh, le Seigneur a déposé dans vos cœurs et euh, merci en tout cas pour votre accueil, vous tous, hein, donc euh, frères et sœurs de Lyon et ainsi que les autres, les uns et les autres qui sont venus un peu d'ici et là. Nous avons été beaucoup encouragés, tellement encouragés que le 15 novembre, nous repartons à Lyon. Donc, c'est un dimanche. Et nous allons rester toute la soirée là-bas aussi. Donc, passer la nuit sur place, carrément. Pour avoir plus de temps, afin de partager avec la parole avec des frères et sœurs. Donc, euh, voilà. Que le Seigneur, en tout cas, soit béni. Et merci encore à vous tous qui nous avez soutenus dans vos prières pour ce programme, le programme de Lyon. Donc, euh, le dimanche prochain, donc ce dimanche qui arrive, nous serons à Nice. Les informations relatives à ce programme sont sur le site de TV et Radio de Vie. Donc, euh, pour toute information, vous pouvez aller sur le site de TV et de Vie et vous, avez, euh, vous aurez toutes les infos et notamment un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour euh, poser toutes vos questions. Nous allons nous organiser, pour, euh, si Dieu le permet, pour venir avec quelques Bibles afin de les offrir aux gens qui seront présents. Et. Euh, voilà, donc on va essayer de s'organiser, donc je ne sais pas si on en aura assez, mais en tout cas on va pouvoir s'organiser, donc prier pour nous, pour que le Seigneur dispose des choses, afin que chacun puisse avoir sa BGC là-bas. En tout cas, merci Seigneur, bénissons le Seigneur pour le travail qu'il fait, il y a eu beaucoup de conversions à Lyon, il y a eu des, des guérisons, des délivrances que le Seigneur a opérées, des baptêmes, hein, donc le Seigneur nous a beaucoup, beaucoup encouragés. Voilà, nous avons eu aussi euh, ce vendredi qui vient de, de passer, toute une nuit dans la présence de Dieu. C'était magnifique pour ceux et celles qui euh, étaient présents et ceux et celles qui nous ont suivis depuis euh, leur maison. Le Seigneur nous a beaucoup soutenus. Il y avait une telle présence du Seigneur. C'était glorieux, très, très puissant, glorieux dans la présence du Maître. Et euh, en tout cas, on va avoir d'autres veillées comme ça. Nous sommes... Euh, et euh, aussi euh, dans la joie de vous annoncer que le samedi qui arrive, donc dimanche on sera à Nice, mais ce samedi, il y a une, euh, n'est-ce pas, une réunion de prière, de partage, une conférence, hein, donc, et euh, une réunion de réveil à Evry, Bras de Fer, à partir de euh, 16h. Euh, mais bon, on commence toujours plus tôt parce que les frères et sœurs ont tellement soif qu'ils viennent plus tôt. Et euh, donc voilà, on sera là en tout cas dès le matin pour euh, nous préparer dans la prière. Et euh, voilà. Et. Euh, on va s'organiser comme ça, hein, pour qu'il y ait d'autres programmes jusqu'à la fin de l'année. On verra comment le Seigneur va nous conduire. Et souvenez-vous que le 18 décembre, nous serons à Londres. C'est un programme initié par des frères et sœurs de Londres. Et euh, on y sera en tout cas pour euh, partager l'évangile avec vous. Et, euh, et ceux qui ont à cœur de soutenir dans la prière, matériellement, financièrement cette mission à Londres, soyez libres de le faire. Et euh, voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez nous envoyer un mail pour le faire, si vous avez à cœur de le faire. Que le Seigneur soit béni. Parce que nous voulons bien sûr voir le Seigneur glorifié et les âmes euh, délivrées, guéries, restaurées. Voilà, mes amis, le Seigneur travaille et vous savez également, donc je suis en train de vous donner quelques informations relatives au travail que ce nous a confié. Vous savez également que nous avons des épiceries, euh, des, des épiceries euh, solidaires, des épiceries solidaires pour venir en aide aux nécessiteux. Donc euh, rien que l'épicerie euh, solidaire, l'épicerie solidaire de Courcouronne, donc en banlieue parisienne, en banlieue sud. Cette épicerie nourrit chaque mois près de 600 familles. Et si vous avez des difficultés euh, pour vous nourrir, si vous avez des problèmes, hein, et, et si nous pouvons vous aider, on le fera. N'hésitez pas, euh, n'est-ce pas, à nous envoyer un mail à TV de Vie, euh, sur TV de Vie, ou encore contacter le pain quotidien, le site de, du pain quotidien, qui est un, un, une association que nous avons créée pour... Venir en aide aux nécessiteux. Donc là, vous pouvez, euh, n'est-ce pas, nous contacter. On vous donnera l'adresse, euh, de toute façon, sur le site de TV de vie, la, de, de, de du Pain quotidien également, il y a l'adresse de l'épicerie solidaire de Courcouronne. Voilà. Donc, euh, sinon, il y a celle de euh, Créteil, il y en a une autre euh, au Bourget, il y en a une autre euh, à, à Niort. Et pour ceux qui sont en province, hein, donc à Angoulême également, et en Guadeloupe, pour ceux et celles qui habitent la Guadeloupe. Donc on va s'organiser pour qu'il y ait un peu partout comme ça, là, euh, partout euh, cette épicerie, pour venir en aide aux, aux frères et sœurs, et pas seulement aux frères et sœurs qui ont les besoins, mais également aux, 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 aux personnes non croyantes et qui sont dans les besoins. Donc euh, l'amour de l'Évangile, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu veut qu'on puisse aider nos prochains. Voilà, donc euh, nous essayons, mes amis, comme vous le savez, de nous organiser pour venir en aide aux frères et sœurs qui sont vraiment dans les besoins. Et c'est toujours, euh, un un, toujours une joie, pardon, c'est toujours une une véritable joie pour nous de pouvoir vous servir. Voilà, nous sommes appelés à euh, servir les frères et sœurs, le Seigneur bien sûr, mais Dieu bien sûr veut qu'on aide nos prochains. Et pour ceux qui sont en Afrique, nous venons souvent en aide aux aux orphelins qui sont au Gabon. Et euh, voilà, pour toute information, pour les frères et sœurs qui veulent aider aussi ces orphelins, vous pouvez aussi contacter TV de Vie. Et nous venons, nous, nous essayons d'aider aussi les orphelins et les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, au congo -Braza, et un peu partout, n'est-ce pas, en Haïti notamment, et où il y a aussi une œuvre sociale là-bas avec plusieurs orphelins, et au Bénin, au Togo, au Mali. Et euh, voilà. Donc, euh, ce soir, j'ai voulu euh, vraiment vous partager un peu rapidement la vision que le Seigneur nous met à cœur. Et euh, voilà pourquoi euh, nous sommes là, pourquoi euh, cette chaîne de télé, pourquoi justement euh, et, euh, le journal, les Documos et euh, pourquoi le centre de formation Didasco pourquoi toutes, n'est-ce pas, et, euh, ces associations que Dieu nous a fait créer. Euh, voilà. Donc, c'est pour justement euh, euh, à la fois servir Dieu et vous servir, bien sûr. Et euh, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de joie. Avec une grande joie. Voilà. Donc, euh, nous sommes dans le livre de, n'est-ce pas, Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 28. Marc, chapitre 10. Et euh, voilà, donc, euh, et euh, voilà, Marc chapitre 10, à partir du verset et euh, 28. Alors Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, disant Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté pour l'amour de moi et de l'évangile, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans l'âge ou le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà. Donc, il euh, euh, C'est clair, l'évangile est. Clair. Le Seigneur, bien sûr, euh, Pierre a posé cette question au Seigneur. Hein, donc voilà, nous avons tout quitté pour te servir. Qu'est-ce que nous pouvons gagner Qu'allons-nous qu gagner, justement et, euh, et le Seigneur lui a répondu simplement. Voilà. Donc, quand on quitte, n'est-ce pas, euh, sa famille, parfois pour servir Dieu, c'est n'est pas quitter euh, et ne plus, n'est-ce pas, aider sa famille, c'est pas ça. C'est-à-dire consacrer euh, une partie de son temps euh, qu'on aurait pu consacrer à sa famille pour les autres. Pour des frères et sœurs dans le Seigneur, pour des inconvertis, pour des malades, pour des SDF, pour, n'est-ce pas, ceux qui sont hospitalisés, pour ceux qui souffrent, eh bien, consacrer cette partie de notre temps, une partie de notre temps à euh, aux autres, eh c'est ce que Dieu veut, justement. Et le Seigneur dit bah, si on le fait, eh bien, on va recevoir dans ce siècle-ci des frères et des sœurs, donc la famille s'élargit, la famille chrétienne, et, et euh, on va recevoir au centuple. N'est-ce pas Des maisons, des frères et sœurs, des maisons, c'est-à-dire, eh les maisons de ces frères et sœurs deviennent comme les, nos maisons, dans le sens où, eh bien, si on va chez eux, on est comme chez nous, on est reçu, on est encouragé, on peut nous donner un verre d'eau, tout ça. Donc, c'est vraiment la famille. voilà Et on recevra aussi des persécutions, bien sûr, il y a les persécutions. Il y a des, des gens qui vont se lever, qui vont s'opposer à cette œuvre que le Seigneur, n'est-ce pas, vous a confiée. Eh bien, il ne faut pas s'arrêter sur les persécutions, il faut poursuivre votre vision. Et, euh, et donc, en gros... Quand on quitte, mes amis, quand on consacre une partie de son temps aux frères et sœurs, aux gens qui sont malades, aux prisonniers, aux orphelins, aux veuves, eh bien, le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit il nous bénit, il nous bénira et, euh, au centuple. Et dans le siècle à venir, ben, la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a reçue par la foi, bien sûr. Mais elle s'est traduite, n'est-ce pas, cette vie, elle s'est traduite par, euh, euh, par des actes. Par des actes euh, de, de, de bonté, d'amour, et euh, par le service que nous exerçons euh, envers euh, les uns et les autres. Par, euh, n'est-ce pas, le partage aussi des, des biens que Dieu nous donne. Le partage, euh, n'est-ce pas, du pain que, peut, que Dieu peut nous donner, hein, le partage du lait que Dieu peut nous donner, euh, des vêtements que Dieu peut nous donner. Donc, on essaye d'encourager, de, de faire du bien autour de soi en étant, euh, mes amis, euh, en correct. Et voilà. Et c'est justement et, euh, la vision euh, du pain euh, quotidien, c'est la vision, mes amis, euh, de et euh, comment dire euh, de TV de vie. Et euh, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est-à-dire, avec cette parole que le Seigneur nous donne, avec euh, toutes les choses qu'il met à notre disposition, eh bien, nous voulons véritablement encore descendre, euh, nous humilier, et, euh, afin de pouvoir vous servir. C'est pour cela que quand euh, nous organisons des programmes ici et là, par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous voulons euh, partager avec vous. Nous ne voulons pas devenir des idoles. Loin de nous, cette pensée, nous ne voulons pas non plus que nous, vous soyez focalisés sur nous, restez fo focalisés sur le Seigneur, mais nous voulons, et, euh, euh, par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, euh, vous servir tout simplement avec la parole, avec euh, les biens que le Seigneur nous donne, aider les pauvres, aider les orphelins, faire du bien tout simplement autour de nous par, euh, avec l'évangile que le Seigneur nous donne à, à, à apporter. Donc il y a aussi euh, euh, un orphelinat au Mexique, au Mexique en, Amérique, en Amérique latine. Euh, chaque mois, ben, de l'argent euh, est envoyé. Et chaque mois, je crois, avec le pain quotidien, nous envoyons près de 5000 000 euros, 5000 euros dans différentes, mes amis, structures que nous avons mises en place. Et c'est important de se souvenir des pauvres, des nécessiteux. On a aussi une épicerie, j'avais oublié, à Sarcelles, qui prend de l'ampleur pour ceux et celles qui habitent Sarcelles. Voilà. Donc que le sang soit béni. Donc nous voulons vraiment répondre à l'appel du Seigneur, simplement. Et c'est pour cela que euh, cette grande vision a besoin de vos prières, a besoin euh, de vos conseils, de vos suggestions, hein, de tout ce que le Seigneur peut mettre à votre disposition pour que le tra ce travail aille jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Et euh, quels que soient les dires, quels que soient le combat, les épreuves, les tentations, euh, tout ça, les attaques, nous voulons nous focaliser sur le travail. Le plan de Dieu, c'est l'homme. Et c'est pour cela que nous voulons travailler pour l'épanouissement de l'homme. N'est-ce pas? Et euh, pour que l'homme soit euh, capable de servir son Dieu. Indépendamment, bien sûr, euh, de, euh, comment dire, de, de la chair, mais être capable véritablement de répondre à l'appel du Seigneur. Il y a aussi un autre passage qui me touche euh, énormément dans. Luc, Marc toujours, pardon, dans Marc chapitre 12 au verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il avait, qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit le premier de tous les commandements est écoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est un et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit Maître, tu as bien dit selon la vérité que Dieu est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son corps coeur de toute son intelligence de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices et Jésus voyant ce scribe voyant que ce scribe avait bien répondu hein, avait répondu répondu prudemment lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu voilà et les deux plus grands commandements qui résument bien sûr l'ensemble de la loi de Dieu sont mes amis, euh, et euh, présenter ici, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi même. Et si on aime son prochain comme soi même, si on aime pour son prochain comme pour soi même, eh bien, on ne peut que lui venir en aide. Eh bien, quand il est dans les besoins, on ne peut que l'encourager, on ne peut que bénir nos ennemis, on ne peut que prier pour ceux qui nous persécutent, on ne peut que, mes amis, euh, euh, dénoncer le mal, bien sûr. Parce que dénoncer, ce n'est pas un plaisir, mais on dénonce parce que Dieu nous le demande, parce qu'il y a une souffrance derrière. Et, euh, et voilà, et, et le but, bien sûr, c'est d'amener les gens à la conversion et non les détruire. Que le Seigneur soit béni. Mes amis, donc, nous voulons vraiment vous encourager, vous tous qui avez reçu un appel du Seigneur pour travailler dans sa, dans sa moisson. Le Maître revient, il est à la porte. Conjuguons nos talents, conjuguons nos dons, conjuguons nos moyens. Hein, mes amis, pour servir pleinement ce grand Dieu, Yeshua, le Maître, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Conjuguons tous nos talents, nos dons, nos grâces pour pouvoir véritablement diffuser massivement la vérité, le message qui annonce son retour. Yeshua revient. Préparons-nous pour son retour. Que Dieu vous garde, mes amis. Et surtout, vous qui travaillez pour l'œuvre du Seigneur et qui êtes combattus, rejetés, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Le maître revient. Votre récompense sera très grande. Et c'est pour cela que nous devons nous, nous avancer avancer ensemble. Nous devons nous fortifier, nous encourager. Que le Seigneur vous garde, en tout cas, mes amis. Et on vous redonne rendez-vous demain soir sur TV de vie pour un enseignement. Que Dieu vous garde. A bientôt. Au revoir.